السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعبدوه واشكروا له، إليه ترجعون. واعلموا رحمكم الله أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عبده بالمرض لحكم عديدة. نعم، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عبده بالمرض لحكم عديدة. يبتليك ربك ليختبر إيمانك وصبرك ورضاك وقدر توكلك عليه وحسن ظنك به، وليعرفك بضعفك وبشريتك وهاجتك إليه، أو ليكفر عنك السيئات ويرفع عنك الدرجات ويقربك مزيدا إليه. إن شاء الله سبحانه وتعالى سوف نحكي قصة حدثت في المغرب
العربي امرأة مغربية كيف سبحانه وتعالى كيف الله سبحانه وتعالى أرجع بهذه الامرأة إلي بعد أن أصابتها أو بعد أن أصابها مرض خطير الذي يسمى بالسرطان. الله يبتليك ليس لأنه يكرهك، الله يبتليك ربما ليرفع لك الدرجات، ربما ليقربك إليه زلفى. سوف بإذن الله نعيش مع هذه القصة في هذه الخطبة بإذن الله سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Loin d'Allah, les détenteurs de la guérison. Loin d'Allah, les guérisseurs par excellence. فهو يهدينا, c'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous a guidés vers cette religion. والذي هو يطعمنا, c'est lui qui nous nourrit et c'est lui qui nous donne à boire, عباد الله. Et lorsque nous sommes malades, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, seul qui possède notre guérison, ibadallah. Nabila Ibrahim alayhi salam, il disait, wa idha maridtu fa huwa yashfin. Et quand je suis malade, c'est lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui me guérit, ibadallah. C'est Allah qui possède, qui détient la guérison, ibadallah. Et lorsque je suis malade, c'est lui qui m'accorde la guérison, c'est lui qui me donne la guérison, ibadallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'outh rahmatan lil alamin. C'est lui que Allah a envoyé pour une miséricorde, il est une miséricorde pour l'humanité entière. Il avait l'habitude, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude lorsqu'il rend visite à un malade, de dire cette parole, Adhib al-ba'sa rabban nas, dissipe le malheur, ô Seigneur des gens, ishfi anta shafi, guéris, c'est toi le guérisseur, la shifa'a illa shifa'uk, nul guérison à part la guérison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Shifa'an la yughadiru saqaman, une guérison qui ne laisse aucune maladie, ibadallah. Allah, il éprouve son serviteur, pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime pas. Allah, il t'éprouve par des maladies, il t'éprouve par des diminutions des biens, il t'éprouve par des morts, il t'éprouve par la mort des proches. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il te prouve? Il te prouve par la maladie, pour des sagesses multiples, ibadallah. Yabtalika rabbuk, il te prouve pour tester ta foi, pour tester ta patience et pour tester ta satisfaction envers son jugement, ibadallah. Pour tester le degré de ta confiance en lui et pour tester wa husna dhannika bi, l'espoir que tu places en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il t'éprouve, ya Abdallah, pour te montrer que tu es faible. Naam, il t'éprouve pour te montrer que tu es faible. Il t'éprouve pour te montrer que tu es un être humain. Il te prouve pour te montrer qu'il y a un Seigneur à qui tu as besoin, ibadallah. Naam, Allah, il te prouve par la maladie, des fois, pour effacer tes péchés, ibadallah, et pour élever ton rang auprès de lui, et pour te ramener davantage vers lui, ibadallah. Inch'Allah, nous allons vivre aujourd'hui avec l'histoire d'une dame marocaine,
à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné sa grâce après que Allah subhanahu wa ta'ala ait éprouvé cette maladie. Des fois, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il t'éprouve, accepte avec satisfaction, avec remords, car tu ne sais pas après cette épreuve qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il va te donner. Cette femme marocaine qui a été touchée par une maladie extrêmement grave qu'on appelle le cancer, ibadallah, qu'on appelle le cancer, fa'ajazal atiba, et tous les médecins étaient incapables de guérir cette femme, ibadallah. Fa'ajazal atiba wa an ilajiha, fa'faqadatil amal, et cette femme, elle a perdu l'espoir. Elle a perdu l'espoir, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a ramené vers lui afin que Allah subhanahu wa ta'ala élève cette femme, afin que Allah subhanahu wa ta'ala comble cette femme de ses grâces et de ses bienfaits, ibadallah. Et maintenant, nous allons laisser cette femme nous raconter par elle-même son histoire, ibadallah. Et cette femme, elle commence, elle dit: depuis 9 ans, j'ai été touché par une maladie extrêmement grave, une maladie qu'on appelle le cancer. Et ici au Maroc, tellement que cette maladie elle fait peur, on ne l'appelle pas par son nom, on l'appelle bi al-ghoul. Al-ghoul, c'est un mot qui fait peur, c'est comme si tu dis un enfant gongongo, ou bien tu dis coucou. C'est comme ça qu'on appelait cette maladie au Maroc, tellement que cette maladie elle faisait peur, ibadallah. Le cancer. Et lorsque j'ai été touché par cette maladie, alors que ma foi en Allah subhanahu wa ta'ala était tellement faible, kuntu ghafilatan an Allah, j'étais inattentif au sujet d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'étais loin d'Allah subhanahu wa ta'ala et je pensais que la beauté de l'être humain perdurait à jamais, ibadallah. Wa anna shababahu wa sihhatahu kadhalik, et j'ai pensé que aussi sa jeunesse et sa santé aussi perdurait encore. Wa ma kuntu adhunnu abadan annani sa'usabu bi maradin khatirin kas-sartan, et je n'ai jamais imaginé que je pourrais être touché d'une maladie aussi grave que le cancer, ibadallah. Et elle continue, elle dit: lorsque j'ai été touché par cette maladie, le cancer, ibadallah, ça m'a bouleversé la vie. Oui, ça m'a bouleversé la vie. J'ai pensé à m'enfuir. Walakin ila ayn wa maradi ma'i ayna ma kunt. J'ai pensé à m'enfuir. Mais où aller? Ma maladie elle est avec moi. Par où je me trouve, ibadallah? Fakkartu fil intihar, j'ai pensé à me suicider, ibadallah. Walakinni kuntu uhibbu zawji wa awladi, mais j'aimais trop mon mari et mes enfants. Wa ma fakkartu anna Allah sayu'aqibuni idha intahat, je n'ai jamais pensé que lorsque je me suicide, Allah subhanahu wa ta'ala il me condamnerait et il me blâmerait. Wa aradallah, et Allah a voulu à travers cette maladie me guider, ibadallah, et guider un bon nombre de gens à travers le monde entier, ibadallah. Fabada'atil umur tatatawwar, et les choses ont commencé à évoluer, ibadallah. Elle dit: lorsque j'ai été touché par cette maladie, rahitu ila Belgica, je suis allé en Belgique. Wazurtu aladan min al-atiba, et j'ai visité un bon nombre de médecins en Belgique. Faqalu li zawji, lorsqu'ils ont fait les diagnostics, ils ont fait les examens, ils ont dit à mon mari: pour soigner ta femme, pour guérir ta femme, il faut une opération. Il faut lui amputer son sein. Wa ba'da dhalik,
Et après cela, il faut faire une opération chirurgicale à travers laquelle elle va perdre ses cheveux, elle va perdre ses cils et ses sourcils, et qui va donner des poils sur son visage. Farafattu rafdan kulliya. Et j'ai opposé un refus catégorique. Et j'ai dit à mon mari, je préfère mourir avec mon sein, avec mes cheveux, avec mes membres, mais je ne souhaiterai pas me décapiter, ibadallah. Wa talabtu min al-atibba, et j'ai demandé aux médecins de me prescrire des médicaments, des traitements qui sont légers, afin que je retourne dans mon pays, fafa'alu. Et c'est ce qui fut fait. Je suis retourné au Maroc. J'ai pris ces traitements, j'ai fait ces traitements. Fallait mieux affirmer Alaya. Et après, j'ai ressenti une légèreté. J'ai ressenti une petite guérison. Fafarik Tubidalik. Et j'étais tellement contente. Wakultufinafsi, je me suis dit, peut-être les médecins ont fait un faux diagnostic. Je n'ai même pas le cancer. Mais après 6 mois, ibadallah, et après 6 mois, elle dit, j'ai commencé à perdre le poids. Et mon teint a commencé aussi à changer. Et j'ai commencé à ressentir des douleurs qui sont constantes et qui sont permanentes. Fanasahani tabibun fil Maghrib. Et j'ai consulté un médecin au Maroc. Il m'a conseillé de retourner aussi en Belgique, ibadallah. Fatawajjahtunak. Je suis encore reparti en Belgique. Wa hunaka kanat al musiba. C'était la catastrophe maintenant, ibadallah. Les médecins, après cet examen, cet énième examen, ils ont dit à mon mari que la maladie a généralisé presque le corps. Aussi, et les deux poumons aussi ont attrapé la maladie. Ils n'ont plus maintenant une solution. Après que ce cancer a attrapé le bon nombre de parties du corps de cette dame, ibadallah. Et ils ont dit à mon mari, ce qui est meilleur, min al-ahsan, c'est de prendre ta femme et retourner avec elle au pays, pour qu'elle meure dans son pays natal, ibadallah. Fuj'al zawji bima sami. Mon mari était frustré, effrayé de ce qu'il vient d'entendre, ibadallah. Et au lieu qu'on retourne au pays, nous sommes allés à Paris, en France. Haïssu dhananna annana sanajidu l'ilaj. Pensant qu'en France, nous allons trouver de la guérison, ibadallah. Hunak walam najid shay'an. Et à Paris aussi, nous n'avons rien trouvé comme guérison, ibadallah. Et la femme, elle dit, enfin, j'ai eu envie de rentrer au bloc afin qu'on fasse cette opération. On m'amputé le sein et on fait cette opération chirurgicale qui va résulter quoi? Elle va perdre ses cheveux, ses poils, ses cils, et qui va donner des poils sur son visage. Wa akhiran harisna an adkhul al mustashfa wa abda athi wa astamil al ilaj al had. Mais walakin zawji, mais mon mari, il s'est rappelé d'une chose que nous avions oublié complètement, ibadallah. Mon mari s'est rappelé d'une chose que nous avions oublié complètement, et nous avions été inattentifs à cette chose, ibadallah. Laqad alhamallahu zawji an naquma bi ziyaratin ila baytillahi al-haram. Allah a inspiré à mon mari, pour qu'on fasse une visite à la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'on s'y rende à la Mecque pour visiter la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, linaqifa bayna yadayhi subhanahu wa nas'alahu
ونسأله pour qu'on s'y mette devant Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on lui demande de nous sortir de cette maladie, de nous guérir de cette maladie, ibadallah. وذلك ما فعلنا et c'est ce qui fut fait, ibadallah. خرجنا من Paris. La femme elle dit, nous sommes sortis de Paris. ونحن نهلل ونكبر en disant la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. وفرحت كثيرا et j'étais très contente لأنني لأول مرة سأدخل بيت الله الحرام parce que pour la première fois je vais visiter la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala وأرى الكعبة المشرفة et je verrai la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la Kaaba ibadallah واشتريت مصحفا من مدينة باريس j'ai acheté un livre à Paris, un Coran à Paris وتوجهنا إلى مكة المكرمة et nous nous sommes dirigés vers la Mecque ibadallah. La femme elle continue, elle dit nous sommes arrivés à la Mecque, nous sommes arrivés à la maison sacrée d'Allah et lorsque nous sommes rentrés et je vis la Kaaba بقيت كثيرا j'ai pleuré beaucoup لأنني ندمت على ما فاتني parce que j'ai eu un grand regret, un fort regret pour tout ce que j'ai raté comme des faraïs, des obligations, des prières, des khushu' وتضرعي إلى الله سبحانه وتعالى pour cette vie que j'ai menée loin d'Allah سبحانه وتعالى pour cette vie que j'ai menée loin de la prière pour cette vie que j'ai menée loin des recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala j'ai pleuré beaucoup وقلتُ يا رب et j'ai dit oh mon Seigneur لقد استعصى إلهي على الأطباء tous les médecins n'ont pas pu me soigner tous les médecins ont été incapables de me donner une guérison وأنت منك الداء والدواء et toi Allah la maladie et la guérison proviennent de toi Ya Rabb, ô mon Seigneur, قد أغلقت في وجهي جميع الأبواب. Toutes les portes sont fermées devant moi. وليس لي إلا بابك. Et je n'ai que ta porte. فلا تغلقه في وجهي. Ne la ferme pas devant moi. وطفت حول بيت الله. Et j'ai fait le tawaf. J'ai rôdé autour de la Kaaba. وكنت أسأل الله كثيرا et j'ai demandé beaucoup à Allah سبحانه وتعالى بأن لا يخيبني de ne pas me décevoir وأن لا يخزلني et de ne pas me laisser tomber وأن يحير الأطباء في أمري et de faire en sorte que les médecins soient surpris de ma situation de mon cas عباد الله وكما ذكرت آنفا et comme j'ai dit précédemment فقد كنت غافلة عن الله. J'étais loin d'Allah سبحانه وتعالى. J'étais inattentive au sujet d'Allah سبحانه وتعالى. J'ignorais la religion d'Allah سبحانه وتعالى. Et j'allais voir des shiouch à la Mecque, des savants, des ulama à la Mecque, afin qu'ils me guident, afin qu'ils me guident vers des invocations qui sont simples. Qui sont faciles à mémoriser, hatta astafid minha, afin que j'y tire profit, ibadallah. Fanasahuni kathiran, ils m'ont conseillé beaucoup de lire le Coran al-Karim, na'am, de lire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de boire beaucoup l'eau des zamzam, ibadallah, comme ils m'ont conseillé encore de multiplier les invocations et les évocations d'Allah subhanahu wa ta'ala et de prier beaucoup sur le bien-aimé, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la femme elle dit, فَشَعَرْتُ بِرَاحَةِ النَّفْسِيَّةِ j'ai ressenti un confort psychologique et une sérénité dans la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et j'ai même demandé à mon mari de me laisser au sein de la maison sacrée d'Allah et de m'accorder de rester au sein de la mosquée, de ne pas revenir à l'hôtel Ibadallah.
فأذن لي et mon mari m'a donné cette autorisation. وفي الحرم, elle dit, dans le haram, il y avait à côté de moi des sœurs égyptiennes et des sœurs turques qui me voyaient pleurer beaucoup. Elles m'ont demandé la cause de tous ces pleurs. فقلت لأنني وصلت إلى بيت الله وما كنت أظن أني سأحبه هذا الحب. Je lui ai répondu, c'est parce que c'est la première fois que je viens à la maison sacrée d'Allah et je n'ai pas cru que je pourrais aimer autant la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, c'est parce que je suis atteint d'une maladie qu'on appelle le cancer. Fala zamnani. Et ces femmes turques et égyptiennes sont restées avec cette dame qui est touchée par cette maladie, le cancer. Elles sont restées avec elle. Elles aussi ont demandé à leur époux de leur accorder de rester dans la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fakunna la nanamu abadan. Nous ne dormions jamais. Wala na'kulu min at-ta'am illa al-qalil. Et nous ne mangeons de la nourriture que le peu. Lakinna kunna nashrabu kathiran min ma'i zamzam. Mais nous buvions beaucoup de l'eau de Zamzam. Et nous faisions beaucoup de tawaf sans cesse. Et nous lisions beaucoup le Coran al-Karim. Et c'est comme ça nous étions nés. Toujours ibad Allah, nous ne dormions que peu ibad Allah. Et la femme est dit, lorsque je suis arrivé à la Mecque, j'avais perdu beaucoup de poids. Kuntu hazilatan, j'étais trop mince. Wa kana fi nisfi al-a'la. Et il y avait sur mon côté supérieur, il y avait des tumeurs ibad Allah. Il y avait des tumeurs qui certifiaient que le cancer a attrapé tout le corps, presque tout le corps. Et ces femmes égyptiennes et turques me conseillaient de boire beaucoup de l'eau de Zamzam et de prendre cette eau et laver ces parties qui ont de cette tumeur, ibadallah. Mais j'ai refusé catégoriquement. Voilà qu'il n'y goûte tout arabe, j'ai craigné même de penser à cette maladie pour ne pas qu'elle occupe mon esprit. Les rappels d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour ne pas que cette maladie occupe mon esprit, de tawaf et de la lecture de Al-Qur'an al-Karim. Mais ces femmes ont insisté et ont persisté pour que je prenne cette eau et je lave cette partie dans laquelle il y avait cette humeur, ibadallah. Et c'est comme ça, elle dit le cinquième jour, Allah alayya rafiqati. Elles ont insisté, elles ont persisté. Et j'ai pris de l'eau des Zamzam. Et j'ai pris de l'eau des Zamzam. J'ai hésité pour une première fois. J'ai hésité pour une deuxième fois. Voilà qu'il fil marrati thalitha. Et pour la troisième fois, j'ai pris cette eau. J'ai lavé les parties qui sont touchées par cette tumeur, ibadallah. Wa masahtu biha ala jasadi wa thadi. J'ai essuyé mon sein Alladhi qui était rempli de pus et du sang. Wa hadatha ma lam yakun fil husba. Et quelque chose qu'on n'imaginait pas, c'est produit du ibadallah. Kullul al-awram, toute cette humeur, dhahabat, sont disparues ibadallah. Wa lam ajid shay'an fi jasadi. Et je n'y trouve rien de cette humeur ibadallah. La alaman ni de douleur, voilà daman ni de sang, voilà salida et ni de pur ibadallah. Fanda hashtu, j'étais étonné. Wa adkhaltu yadi fi qamisi, et j'ai fait rentrer ma main dans mon haut. Li abhatha amma fi jasadi, pour voir si je vais encore trouver cette humeur qui était sur mon corps. Falam ajid shay'an min tilka al-awram, et je n'ai rien trouvé ibadallah. فارتعشت, j'ai tremblé, j'ai frissonné. ولكن تذكرت أن الله على كل شيء قدير. Mais je me suis rappelé que Allah سبحانه وتعالى, il est omnipotent, il est capable de toutes choses, عباد الله. فطلبت من إحدى رفيقاتي,
Et j'ai demandé à l'une des sœurs qui était avec moi de mettre sa main, de toucher mon corps. Et de chercher cette humeur. Et toutes ces femmes ont crié. Mais sans savoir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Fantalaktu li ukhbira zawji. Et si aller à l'hôtel pour informer mon mari. ودخلت الفندق لوسكي سيرانتي في الهوتيل ووقفت امامه اي جيم سي مي devant mon mari مسكت قميصي j'ai déchiré mon haut وانا اقول tout en disant انظر الى رحمه الله regarde la miséricorde d'Allah regarde la miséricorde d'Allah واخبرته بما حدث et je l'ai informé ce qui fit passer au sein de la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yusaddiq, il n'a pas cru, wa akhadha yabki, il s'est mis à pleurer, wa yasi'a ila hirli bi sawtin 'ali, avec un ton très élevé, wa yaqul, et il dit à sa femme, hal 'alimti anna al-atibba'a aqsamu 'ala mawtiki ba'da 3 asabi'a faqat. Est-ce que tu savais qu'il est médecin? En Belgique et en France, on jurait qu'après 3 semaines, tu vas rendre l'âme. Et cette femme, elle regarde son mari et dit, « Inna al-ajala liyadillah. » La vie et la mort se trouvent dans la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Wa la ya'lamu al-ghayba illa Allah. » Et personne ne connaît l'inconnaissable à part Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça que nous sommes restés 1 semaine. Et à la maison sacrée d'Allah, Fakuntu Ahmadullah, j'ai loué beaucoup Allah, j'ai remercié beaucoup Allah pour ses multiples grâces. Summa zurna al-masjid al-Nabawi bil Madina. Et après, nous avons fait une visite à la mosquée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Médine, wa raja'na ila France. Et nous sommes retournés en France, ibadallah. Wa hunaka hadha al-atibba. Et lorsque nous sommes retournés en France, et là-bas, les médecins tous étaient surpris, étaient dépassés, ibadallah. Wandahashu étaient troublés, ibadallah. Wakanu yajunnun. Et ils ont failli devenir fous, ibadallah. Wasaru yas'alunani. Et ils se sont mis à me demander, hal anti fulana. Est-ce que tu es une telle? Wa akulu lahum. Oui, je leur dis oui, c'est moi qui étais là avant quelques jours, c'est moi qui vous avez consulté ici, vous avez diagnostiqué le cancer, oui, c'est moi. Avec toute fierté, cette dame, elle répondait à ses médecins. Wa kad raja'tu ila rabbi, je me suis retourné vers mon Seigneur. Wa ma uktu akhafu min shay'in illa min Allah, je n'ai craint rien aujourd'hui à part Allah subhanahu wa ta'ala. Le jugement est le sien, et le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faqalu li, ils m'ont dit, inna halataki ghariba, ton cas est étrange, très étrange. Si les tumeurs ont disparu sur ton corps, fala budda min i'adati al-fahs, il faut un nouvel examen qui va déterminer que tu n'as plus encore le cancer dans ton corps. Ils ont refait les examens et ils n'ont rien trouvé, ibadallah. Et cette dame est ibadadani. Et après cela, j'ai cherché à connaître l'histoire, la biographie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et l'histoire de ses compagnons. Et j'ai pleuré beaucoup pour regretter tout ce temps que j'ai passé loin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ala tilka al-ayyam allati qadaytuha ba'idatan an Allah azza wa jalla. Hada summa sallu rahimakumullah.
على خير البرية وأشفى البشرية نبيكم محمد فقد أمركم الله بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة الكرام وقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.